Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, le morceau Lazy Song de Bruno Mars. Morceau particulièrement adapté aux gens qui viennent de terminer le pack débutant de guitare-facile.fr. Voilà, c'est dit, on se retrouve derrière la guitare pour les accords. Pour les accords, on va en avoir trois principaux et on va voir deux accords de passage supplémentaires. Les trois accords principaux vous permettent de jouer 95% de la chanson. Les accords de passage sont malheureusement en barré. Donc si vous êtes débutant, et bien vous faites les premiers accords qui sont présents tout le temps. Et si vous connaissez les barrés, vous êtes plus à l'aise, à ce moment-là, vous pourrez faire tout le morceau. Donc le premier accord, bon, j'ai oublié de dire capot, deuxième case pour être en tonalité originale. Et on va avoir un La majeur, un Mi majeur et un Ré majeur. Ça, c'est les accords qu'on va avoir quasiment tout le temps. On va avoir en plus un Si mineur et un Do dièse mineur. Comme ceci. Voilà, et ben on a vu tout ce qu'il faut pour les accords. Maintenant, la rythmique. La rythmique va se compter en 4 et on va faire comme ceci. Sur le 1, on va faire la basse. Sur le 2, on va gratter l'accord. Sur le 3, on va frapper la guitare. Et sur le 4, on va gratter l'accord. On va avoir deux manières de gratter. La première, ça va être de tirer les trois cordes aiguës vers le haut comme ceci. La deuxième, ça va être de gratter tout. Donc, si je bloque les cordes, ça va faire basse, gratte, frappe, comme ceci, et gratte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En tirant les cordes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On voit que lorsqu'on frappe, on a la main qui est fermée et qui va essayer de rechoper directement. Donc on va taper pile à l'endroit où on va retirer. Passe, gratte, frappe, gratte. Sur le La, si je le fais en boucle, en grattant, pareil, sur, alors la base de La, ça va être sur la corde de La, la base de Mi, ça va être sur la corde de Mi, la base de Ré, ça va être sur la corde de Ré. Et les deux barrés, ça sera sur la corde de La. Donc le La, on l'a vu, le Mi. Le Ré. Donc là, je fais l'autre rythmique, je mélange un petit peu pour pouvoir tout voir. On va faire les accords de passage tout de suite, le Si mineur. Le Do dièse mineur. Voilà, et ben on a vu ce qu'il faut comme technique. Maintenant, on va assembler le morceau. En gros, on va faire la suite d'accords suivants. La majeur, Mi majeur, Ré majeur, Ré majeur. On va le faire avec la rythmique qui va tirer pour commencer parce que ça va être plus léger. Et on va profiter du refrain un peu plus péchu pour gratter à ce moment-là. Donc, on commence par faire plein de fois ceci. Deux fois le Ré. Je suis un peu lentement par rapport au morceau, mais c'est pour vous montrer. Si j'accélère. Voilà, donc on va faire ça plein de fois. Quand il y a des petits moments de respiration, à la place de faire la rythmique, on va gratter comme ça. Exemple, là. Voilà, un coup vers le bas pour faire respirer. On va voir le pont juste avant le refrain. Où on va faire une fois la rythmique sur le Si mineur, une fois la rythmique sur le Do dièse, une fois la rythmique sur le Ré, et le Mi, on le gratte. Donc ça va faire. Et après. Voilà, donc en gros, ça se positionne comme ça. Pour le refrain, on va profiter pour grossir. À ce moment-là, on va faire la rythmique, on va gratter. Voilà, avec la petite frappe pour donner de la patate. Voilà, et ben on a vu tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à regarder la démo, à partager, à liker. Voilà, c'est à vous, travaillez bien. Ciao!